les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle routine hydratation hebdomadaire. Donc, en fait, pour celles qui ne le savent pas, je me lave les cheveux une fois toutes les deux semaines, hormis l'hiver. Donc, pendant l'hiver, je vais peut-être me laver les cheveux une fois toutes les trois semaines ou alors une fois après quatre semaines. Mais normalement, ma routine régulière, habituelle, mis à part l'hiver, c'est une fois toutes les deux semaines. Et donc, la semaine où je ne me lave pas les cheveux, je me fais une séance hydratation. Et donc, jusqu'ici, je n'avais pas vraiment trouvé une routine qui me sied complètement. Donc, c'était pas vraiment déterminé. C'était souvent, je faisais des trucs et souvent, je faisais autre chose, donc c'était pas encore clair. Mais ici, j'ai trouvé une routine claire, et je viens partager ça avec vous. Dans la vidéo, vous allez voir que je vais parler principalement de deux choses. De l'huile de coco, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc, c'est vraiment une hydratation basée sur l'huile de coco. Et en fait, l'huile de coco, c'est une huile que j'utilise déjà pour ma peau, mais je ne l'avais jamais utilisée pour mes cheveux. Vu que cette huile rend ma peau hyper, hyper douce et glowy, comme on dit, je me suis dit, ben, pourquoi pas tester sur mes cheveux? Parce que si ça rend ma peau aussi douce, aussi fluide, ça doit être pareil pour les cheveux et je ne suis pas trompée. Donc vous allez voir dans la vidéo, déjà ici, donc ça c'est, voilà, dans la vidéo je vais vous montrer comment j'ai obtenu ce résultat ici. Donc mes cheveux sont bien doux, bien hydratés. Par contre, je n'ai pas séparé les bras parce que je vais me coiffer pour la semaine plus tard. Pas vu séparer les bras pour que ça tienne plus longtemps. Un truc en plus que j'ai testé aussi, en fait, c'est mon air steamer. Ouais! Donc voici mon carton. Donc, voilà, j'ai reçu mon air steamer il y a une semaine. L'entreprise m'a généreusement envoyé ce air steamer gratuitement, donc je n'ai pas payé pour l'avoir. Et donc je l'ai testé pour mon soin. Donc je sais que d'habitude les filles utilisent ça pour des soins, pour des masques, donc des soins avec rinçage. Mais ici, j'ai testé, vu que je n'allais pas me laver les cheveux, que j'avais trop envie de le tester. Donc, je l'ai testé pour mon soin et hydratation. Et ça a vraiment super bien fonctionné. Par contre, cette vidéo, c'est vraiment pas pour vous faire la revue du air steamer. Ce sera dans une prochaine vidéo parce qu'il me faut le temps de tester sur quelques semaines, voire quelques mois, pour pouvoir faire une revue complète et il y a plus d'objectifs possibles. Mais ici, je peux déjà dire que franchement, j'ai senti l'effet, en fait, l'effet bénéfique du système air steamer. Pour celles qui connaissent, j'ai vraiment ressenti l'effet bénéfique. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour l'hydratation de mes cheveux ce week-end de A à Z. Et ça, ce sera ma nouvelle routine hebdomadaire quand je ne me lave pas les cheveux, c'est-à-dire une semaine sur deux, parce que la deuxième semaine je me lave les cheveux. On se fait comprendre. Donc si le sujet de la vidéo vous parle, vous intéresse, je vous propose de regarder la suite. Bye bye.